il était perdu. L'animateur emblématique de C8 a l'habitude de recevoir des célébrités mais aussi des anonymes sur le plateau de Touche pas à mon poste. Durant les émissions, il évoque également les élections présidentielles et a ainsi lancé l'émission Face à Baba. Si est-il le 16 novembre dernier qu'il a donné le coup d'envoi et pour l'occasion, il recevait Éric Zemmour. Le polémiste est venu débattre avec 10 intervenants et, pour l'émission de ce jeudi 27 janvier, si est-il Jean-Luc Mélenchon qui était présent. Face à ces deux invités, qui n'arrêtaient pas de se tacler, Cyril Hanouna a rapidement été totalement dépassé. Alors que tous deux ont évoqué l'histoire de France durant plusieurs minutes, en enchaînant les explications, le présentateur a d'abord tenté de reprendre le contrôle. S'il vous plaît Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, est-ce qu'on peut parler du... a-t-il demandé avant d'être coupé. S'il vous plaît, je voudrais qu'on parle de l'islam, a-t-il ensuite affirmé. Voyant qu'il n'était pas entendu ni écouté, Cyril Hanouna a déclaré, « Je vais partir les mecs hein. On n'est pas là pour prendre un cours d'histoire s'il vous plaît et merci », a-t-il conclu. Ils étaient remontés. Sur le plateau de Face à Baba, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour ont enchaîné les tacles. Vous n'êtes pas venu en face de moi pour vous faire caresser, a d'abord affirmé Jean-Luc Mélenchon. De son côté, Éric Zemmour a assuré, moi, je n'ai pas d'intention aussi alarmante à votre égard. Je suis là pour débattre. Ce à quoi le principal concerné a répliqué, moi, je ne vous raterai pas. J'ai bien l'intention de vous hacher menu. Par la suite, les deux candidats aux prochaines élections présidentielles ont poursuivi leur débat et celui-ci était très houleux. Vous êtes plein de haine et vous rejetez une partie du peuple français donc vous êtes une secte, un petit groupe, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. De son côté, Éric Zemmour a rétorqué, vous avez abandonné le peuple français et si est-il pour ça qu'il vous a abandonné. Alors que ce face-à-face continuait, Jean-Luc Mélenchon a commencé à perdre patience, ça fait une éternité que ça dure, a-t-il indiqué à Cyril Hanouna avant d'ajouter, vous m'aviez dit que c'était 20 minutes, pas une demi-heure à écouter ce type raconter ses horreurs. Ce à quoi le polémiste a répondu, vous êtes d'un respect extraordinaire Mélenchon, si est-il à votre image, votre idéologie. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi a-t-il souhaité être face à Éric Zemmour? Si ce débat est très houleux, il s'agit toutefois d'un choix de Jean-Luc Mélenchon. Comme l'a révélé Cyril Hanouna dans l'heure des pros ce jour, si est-il le candidat qui a indiqué vouloir être face aux polémistes. Si est-il le souhait de Jean-Luc Mélenchon, qui avait envie de débattre avec Éric Zemmour, a-t-il expliqué. Des propos confirmés par le principal concerné sur le plateau de l'émission. Il représente incontestablement un courant dans ce pays, on ne peut pas dire le contraire, il suffit de regarder résultats de sondage, a-t-il assuré avant d'ajouter, nous sommes en démocratie, mon devoir est de m'affronter à lui car nous sommes sur deux positions radicalement opposées, a poursuivi le candidat avant de déclarer qu'il a toutefois des choses à reprocher aux polémistes. Loading widget. We'll be right back.